Salut et bienvenue à un autre épisode de NBHL On The Ball. Je suis votre animateur, Matt Duffer Harewood. On se retrouve à la fin de la saison et la course pour les séries se déroule à plein fouet. Plusieurs équipes jouent pour rentrer dans l'après-saison, tandis que d'autres essayent d'améliorer leur positionnement. Avec ceci dit, allons à l'action. Pour notre première rencontre, on retrouve deux équipes de la Ligue P, Halifax et les Bears. Les deux équipes se trouvent aux opposés du classement. Halifax détient la dernière position accédant en série, tandis que les Bears peuvent s'emparer du premier rang avec une victoire. Les deux équipes se sont livrées un match nul dans leur seul affrontement cette saison. On commence en zone de Halifax. Chuck Hammack prend un tir frappé de la pointe que Martin Sasseville ne peut contenir. Spencer Newdorf prend le retour de lancer pour donner le devant 1-0 aux Bears. Seulement deux minutes plus tard, le tir de loin de Goran Govcevski surprend Howard Efros du côté de la mitaine pour niveler la marque à 1. Un tir qu'il aimerait certainement revoir. Halifax sont de retour à l'attaque quelques moments plus tard. Le beau jeu défensif de Nicolas Picard répare une bévue du gardien Efros qui avait littéralement donné la balle à l'autre équipe. De l'autre côté de la surface, Sasseville se dresse devant le tir vif de Newdorf. Halifax continue de menacer en zone adverse. L'incursion de Guillaume Caza donne une bonne chance à Stéphane Tremblay dans la zone dangereuse. Par la suite, de sa propre ligne bleue, Hani Abdel-Shihai déjoue pas un, mais deux joueurs des Bears, mais ne peut battre Efros qui harponne la balle. C'est ensuite Julien Mangeon qui voit son tir bloqué. On se trouve en deuxième période. Patrick Lamotte reçoit la balle tout près du filet adverse, mais Efros se déplace et fait l'arrêt. Avec 6 minutes d'écoulées en deuxième, Halifax va prendre les devants. Le premier tir rate le filet, mais Tremblay repère Julien Belzil au cercle des mises en jeu. Ce dernier prend un bon tir des poignets qui bat Efros du côté droit. C'est 2-1. Hammack prend ensuite un tir faible de la zone neutre qui semble endormir les joueurs de Halifax. Le numéro 51 bat les autres de vitesse et surprend Sasseville qui était nonchalant sur le jeu. Les Bears continuent à mettre la pression en zone adverse. Suite à une mise en jeu gagnée, Sasseville doit faire deux arrêts clés devant Erwin Tager et Phil Lavoie. À mi-chemin de la période, Lavoie retourne la balle profondément en zone de Halifax. Brent Tildesley s'empare de celle-ci et repère Cliff Albert qui fonçait vers le filet à toute vitesse. C'est 3-2 Bears. 90 secondes plus tard, un revirement en zone neutre profite aux Bears et Newdorf s'amène seul devant Sasseville. Newdorf bat le gardien de Halifax avec un tir entre les jambières pour donner une avance de 2 buts aux Bears. Les Bears finiront par gagner 5-2. C'est Lavoie qui marquera dans un filet désert avec une minute à faire au match. 5 joueurs des Bears ont terminé la rencontre avec 2 points à leur fiche. Avec la victoire, les Bears restent invaincus en 12 matchs avec un match à jouer. Halifax finit la saison avec une fiche de 4 victoires, 7 défaites et 2 matchs nuls, qui est assez pour les pousser en série d'après-saison. Dans notre deuxième match, on retrouve les Blades of Steel qui affrontent les Van Buren Boys dans la Ligue J. Les Van Buren Boys détiennent le premier rang au classement général, tandis que les Blades of Steel s'agrippent au dernier rang accédant en série. Un point leur suffirait pour s'assurer leur place. Lors du dernier affrontement, les Van Buren Boys ont savouré une victoire de 3-1. On commence avec le score déjà 1-0 Blades of Steel. Le gardien Dave Charlebois vole un but quasi certain à François Lebeau lorsqu'il s'étire de tout son long pour bloquer la balle avec son gant. De l'autre côté de la surface, c'est au tour du gardien des Blades of Steel de s'illustrer. Une balle toute juteuse aboutit dans l'enclave pour Mike Ficone, mais Mathieu Lever sort la jambière à la dernière seconde. Avec la marque maintenant 1-1, Philippe Bilodeau garde la balle en vie lorsqu'il intercepte le dégagement. Simon Réon rejoint Lebeau dans l'enclave. Il se défait de son couvreur et bat le gardien d'un tir vif du côté du bouclier. C'est 2-1 Blades. Par la suite, Marc-André Laroche gagne la mise en jeu vers Patrick Lorrain. Le joueur étoile ne manque pas sa chance en battant Charlebois d'un tir à ras la glace. L'écart est de 2. Les Van Buren Boys vont réduire l'écart de 1 avant de profiter d'un mauvais jeu de Bilodeau. Matt Laya intercepte la passe du défenseur et entre en zone. Il passe à Dan Caristo qui lui retourne la faveur et juste comme ça, l'égalité est créée. La malchance de Bilodeau se poursuit 90 secondes plus tard. Sa passe touche le pied de Vince Barucco qui mène à un 3-1.
un beau jeu de tic-tac-toe laisse le filet ouvert pour Nusle Chehade. 3 buts sans riposte en 3 minutes. Les Blades of Steel vont niveler la marque avec 8 minutes d'écoulé en deuxième. Lebeau rate sa chance sur son échappée mais reprend la balle derrière le filet. Il cherche un coéquipier à découvert et décide de tirer, battant Charles Lebois d'un angle impossible pour compléter son tour de chapeau. Lebeau mène la prochaine attaque des Blades, mais fait une passe vers Réaume qui ne peut battre le gardien qui était sur son ventre. Blades of Steel continue de menacer en zone des Van Buren Boys. Lorrain repère Laroche qui prend un tir de l'enclave, et ensuite c'est Éric Charbonneau qui frappe le poteau à la droite de Charlebois. Le retour revient à Lorrain qui décoche un autre tir bloqué par le gardien. Les Blades sont venus si près de prendre les devants. Vers la fin du match, c'est au tour de Lever de garder le score 4 à 4. Il est bien le 2 contre 1 et frustre l'attaquant des Boys. Le match se terminera avec un verdict nul de 4 à 4. Pour notre troisième match, on reste dans la Ligue J pour voir Ruthless croiser le fer avec les Discipline Daddies. Ruthless sont présentement au troisième rang du classement avec une fiche de 8 victoires, 3 défaites et 1 match nul, alors que les Discipline Daddies se retrouvent au cinquième rang avec une fiche de 5 victoires, 5 défaites et 2 matchs nuls. Les Discipline Daddies ont soutiré une victoire de 6 à 5 lors du dernier match entre les deux équipes. On commence ce match avec Ruthless à l'attaque. Le tir initial de Jean-François Labrosse est arrêté par le gardien Chris Ratreff. Il ne peut couvrir la balle et Ricky Minus le bat finalement sur une troisième tentative. C'est 1-0 Ruthless. Maintenant en zone adverse, Aiden Londe gagne la mise en jeu directement à Nick Moumet. Le défenseur de format géant décoche un tir frappé qui bat David Med du côté de la mitaine. L'égalité est créée. Les Discipline Daddies reviennent à l'attaque 9 minutes plus tard. Bobby Sims sert une tasse de café au défenseur à la ligne bleue avant de repérer Chris McCarthy qui patiente devant le filet et bat le gardien du côté du bouclier. Les hommes en jaune continuent de menacer avant la fin de la première. McCarthy force le revirement derrière le filet qui profite à Mike Biglis. La première chance rate et ensuite c'est David Spiegel qui se fait frustrer par Meb qui était couché sur son ventre. Maintenant en deuxième, Meb continue de garder son équipe dans le match. Cette fois-ci, sur un 2 contre 1, le tir initial de Landay rate le filet, mais un bon favorable profite à Sim, qui voit le gardien de Ruthless lui voler un but avec la manche de son bâton. Avec les Discipline Daddies qui jouent à court d'un homme, le tir de l'enclave de Kevin Binsley est ultimement stoppé. À la reprise du jeu, le tir de la pointe ne se rend jamais au filet. Giancarlo Amor réussit à rejoindre Dave Shipman qui va d'un tir sur réception pour battre Ratreff dans la partie supérieure. L'égalité est créée, 2 à 2. Quelques jeux plus tard, McCarthy pénètre en zone adverse et prend un tir qui est facilement repoussé par Meb. Il s'empare du retour de lancer et remet la balle dans l'enclave pour Viglis, qui était pour le tir sur réception. Discipline Daddies en avant, 3-2. Maintenant, sur l'avantage numérique avec 8 minutes à faire, les Discipline Daddies circulent la balle vers Moumet. Le numéro 44 décoche un boulet de canon qui se trouve dans le haut du filet. Le gardien n'y avait aucune chance, c'est maintenant 4-2. Une minute plus tard, les Discipline Daddies vont tout sauf sceller l'issue du match. Viglis retrouve Alex Payette dans l'enclave. Son tir initial est bloqué, mais il prend son propre retour pour donner une avance de 3 buts au sien. Binsley est visiblement en douleur après le but. Les Discipline Daddies vont... Pour notre dernière rencontre, on se trouve dans la Ligue S où les Crips vont tête à tête avec Puck Block. Les Crips sont au deuxième rang du classement tandis que Puck Block se retrouve en septième place, mais il y a seulement 4 points qui séparent les deux équipes. Les Crips ont gagné leurs 2 derniers matchs et ont battu Puck Block dans leur seul affrontement cette saison, 4 à 1. On commence notre dernier match en zone des Crips. Matthew Henson gagne la mise en jeu. Le tir de Matt Tierney est stoppé par le gardien Christian Champenois.
Henson prend le retour, contourne le filet, mais ne peut marquer avec le tourniquet. À la 12e minute de jeu, et cette fois-ci en avantage numérique, Puck Block gagne la mise en jeu et circule la balle jusqu'à Chris Goodman à l'autre set. Ce dernier s'approche et décoche un tir des poignets qui bat Champenois du côté de la mitaine. 1-0, Puck Block. 3 minutes plus tard, on est de retour en zone des Crips. Henson force un revirement profondément dans la zone. Le tir sur réception de Jason Rouillet est stoppé, mais Tierney prend le retour de lancer pour doubler l'avance des siens. Avec 3 minutes à faire, les Crips vont réduire l'écart sur l'avantage numérique. Le tir de la bande est arrêté, mais le retour se rend à Steven Cavallaro, qui marque dans une cage béante derrière Jean Peterson. Les Crips menacent à nouveau 2 minutes plus tard. Sur un jeu quasiment copié-collé de leur premier but, la persistance de Matt Gibson devant le filet permet à Leo Canestraro de marquer. L'égalité est créée. En deuxième, les Crips vont pour le long jeu. La tentative marche lorsque Tierney cafouille sa ligne bleue, mais Cavallaro n'a plus de place pour compléter sa feinte. Les hommes en bleu vont encore pour le long jeu quelques jeux plus tard, mais cette fois-ci, Henson bloque la tentative de passe et décoche un bon tir des poignets que capte Champenois. Un bel arrêt de la mitaine. Pas pour se faire surpasser par le gardien adverse, Peterson s'illustre sur un 2 contre 1. Nick Odessa passe vers Canestraro, qui tire sur réception, mais Peterson calcule bien son déplacement et le tir le frappe dans la poitrine. Mario Sasso se voit accorder un tir de pénalité lorsqu'un joueur adverse couvre la balle dans le demi-cercle du gardien. Il tente la feinte, mais cafouille et frappe l'extérieur du filet. Cette chance manquée va coûter cher aux Crips en fin de match. En avantage numérique, Michael Cardinal va profiter de la chute d'un joueur des Crips pour s'amener seul devant Champenois et le battre à l'aide d'un tir des poignets. Rouillet va mettre terme à ce match avec 30 secondes à faire lorsqu'il pénètre en zone adverse et laisse filer un tir des poignets qui bat le gardien qui avait possiblement la... On retourne au match des Blades of Steel contre Van Buren Boys. Le gardien Dave Charlebois vole un but quasi certain à François Lebeau lorsqu'il s'étire de tout son long pour bloquer la balle avec son gars. C'est tout pour un autre épisode de NBHL on the Ball. Nous serons de retour sur les ondes en fin août pour couronner les champions de plusieurs ligues et clôturer la fin de la saison. N'oubliez pas de suivre toute l'action sur Twitter et de nous aimer sur Facebook. C'est Mathieu Lafleur-Haywood qui vous souhaite une bonne journée.